yo. Joine justice, on dit bien, moun ki perdit la vie assassiné son ancienne présidence, Jovenel Moïse. En côté, Antonio Jérémy. Dans la bataille qui nous a dans la responsabilité qui nous a pris, c'était des grandes responsabilités, nous-mêmes au niveau matrice, même gens avec la société, à nos consciences, on jeune femme qui était dans l'avenir, qui chargeait, qui était chargé à venir devant, et que les criminels, eux-mêmes, ils mangeaient. Ça a été fait, et nous avons des trois membres qui ont été en pétade. Mais là, on vient apprendre, là, nous venons chita, nous garder, nous dit, mais non. Bataille ça, nous n'avons pas le droit de camper. Parce que si nous campons, nous, c'est comme si nous touillions Netti encore. Parce que lui-même était quoi dans le bagage. Et dans la parole, il était toujours dit qu'il parlait, qu'il ne pas parler, il connaît ça, il n'a pas vivre, je dis. Si ce n'est pas kidnapping, si ce n'est pas Balmaon, si ce n'est pas criminel, si c'est... il dit de toute façon, il y en a ou l'autre. La voie passée en de pays. Donc, lui-même, il dit que je suis choisi de parler. Moi, je ne connais pas mourir parce que je t'ai parlé des bagages qui sont censés. Et parole, ne t'a pas parlé. Il n'y a pas de parole, ne t'a pas parole défavorisée. Parce... Ancien sénateur Antonio Jérémy, tu as profité d'expliquer le choix que tu as fait pour signer encore Montana. L'idée matrice libération, quoi, quoi, ça va être possibilité pour plus secteur participer dans rebâtir Haïti. Bataille pour changement, pas qu'à fête, seulement classe politique là. Antonio Jérémy fait qu'on ait tout document, ça a gagné la revendication population en tant que justice sociale, libération prisonnier politique. Cependant, ancien parlementaire a souhaité tout secteur, mettre tout accord sous table pour capable de jouer une grande alternative. Côté Antonio Jérémy, toujours dans le micro Romanès, ce samedi. Il y a un premier bagaille qui est important, qui m'a dit. On a parlé de conférence nationale. Si je parle de conférence nationale, je ne peux pas faire conférence nationale avec Zanim seulement. Faut me d'accord, je peux aller chita avec des groupes. Alors, l'homme de Zanim, je parle de classe politique là seulement. Faut que je garde. Société civile là, faut que je regarde qui organisation doit mon yo, faut que je regarde différentes organisations syndicales, faut que je regarde toute entité, tout secteur de pays. Moi, aller dans l'accord Mariotte là, moi, je vais me joindre déjà en masse et mobilisation. Ça déjà un grand pas pour rêve nous qui c'est dialogue national. Mais je dis c'est deux bagailles, c'est ou bien nous voulons dialogue national là vraiment, ou bien nous pas voulons. Parce que si nous voulons vraiment, quel que soit agent ça y est, faut que nous chita parler avec l'autre secteur, faut que nous chita pour nous tomber d'accord sur un bagaille. Et parce que c'est un des premiers bagailles qui était intéressé. L'autre bagaille encore c'est ensemble revendication pas mieux. Ensemble des revendications matrices. Nous avons regardé là avec le coordonnateur national là, qui c'est ancien député Aude Bien-Aimé qui fait qu'on ait une discussion après possible avec le gouvernement en place là, dans l'idée pour capable de joindre un accord entre différents acteurs concernés. Pour qu'il n'y ait aucun document définitif d'après président, d'après précision à Aude Bien-Aimé qui lui-même prévoit un accord à mourir dans le passage s'il n'est pas inclusif. Ancien parlementaire a-t-il été attaché à un exécutif qui a deux têtes, pour nous dire bien, un président et un premier ministre. En côté déclaration à de bien-aimé dans le micro Radio Méga. On a gagné le premier ministre Ariel qui va le régler dans le téléphone. C'est nous parler, il m'a dit pour nous rencontrer moi, et maintenant avec la théorie, pour éviter suspicion, nous dit que rencontre la falsette devant nous. Il rencontre la falsette, et rencontre la falsette à l'autre rencontre qui était fait déjà, et pour avoir une réunion avec le premier ministre là, dans résidence officielle d'IA, côté nos jeunes côté présents, nous avons gardé la nécessité de mettre tout accord ensemble pour faire une accord unique et unitaire pour tout le monde capable de représenter, pour ne pas gagner frustration, tout en restant accroché à la position par nous qui est l'exécutif bicéphale. Et c'est dans tout ça à quoi tu déroulé, et l'enfant est déroulé, et pour le gagner. Il y a un temps qui va venir pour notre travail sur un document pour nous être capables de présenter dans les nations. Et là, nous résidons aujourd'hui. Nous avons des réseaux sociaux qui ont des accords qui signent. Il y a des gens qui vont signer, il y a des gens qui signent, il y a des gens qui signent pour le CEPAL. Moi-même, jusqu'à date, à ce que je sache, je ne peux pas me dire qu'il y a un bagage qui est confiné déjà. J'ai un oui, nous travaillons sur un processus pour nous capables de venir un accord, mais c'est un accord unitaire. Oui, notre travail
nous faisons deux journées de travail déjà. Nous cherchons qui plus bon formule pour nous capables de joindre un accord pour joindre un contrat. Mais jusqu'à date, pour qu'on gagne un document définitif qui finit élaboré, parce que je dis encore, il faut que nous réunions pour gagner tout. Rassemblement contre impunité qui se met tête chargée au gain d'ouvre situation pays à côté insécurité à taille banda, côté autorité au paraît impuissant. Coordonnateur City Saléonard, Rinaldo, critiquer certains membres dans l'opposition qui a le sien à quoi pour le ministre Ariel Henry, qui a d'après rassemblement contre impunité, c'est continuité. PHTK, côté Léonard, Rinaldo, dans micro, Jean-Philippe Masséan. Je dis à pas la vie dans le pays. Moun qui sorti dans le grand sud, moun sa yo, il n'y a pas de possibilité pour aller dans le pays. Mais le monde qui est dans le Grand Nord, je dis à la Nouvelle de Cité Soleil, route 9, et un peu de l'autre côté, quoi de bouquet. Je dis à la Pandé, est-ce que vrai nous avons des mondes qui dirigent nous? Lorsque nous considérons le comportement des amis qui sont dans le mouvement contre Jovenel ensemble avec nous, nous sommes dans qui point pays allié, dans qui point monde yo méchant. En pile de monde qui est dans la rue ensemble avec nous, qui t'a demandé pour Jovenel aller. Je dis à qui ça nous remarque? Il y a joint Ariel Henry pour qu'il négocie le ministère, pour qu'il négocie le gâteau. Tandis que Ariel, c'est une continuité PHTK. Et en pile dans le tour, m'a demandé avec qui figure, avec qui yeux, il va garder la population hein, qui était signé encore pour Lambert vin président. Avec toute tentative, toute agression Lambert lui fait pour qu'il y ait le palais national, et finalement, lui, il est échoué, il n'est pas capable. Et tout le monde qui a supporté Lambert, tout le monde qui a signé encore pour Lambert vin président, m'a demandé à qui yeux, il va garder la population. Rassemblement contre impunité, mandé population lui-même mobilisé contre le gouvernement ça qui est capable de régler, qui pas régler rien dans le pays. Léonard Renaldo croit ces populations qui doivent caliger pour jouer un accord politique qui n'a intérêt maslan. Pendant le rappeler, PHTK pas qu'à faire partie aucune solution. Le forum haïtien pour un accord politique qui visait stabilité à la paix sociale qui proposait un accord politique qui dit qu'à permettre pays à sortir notre coup noir, l'y trouver le jeudi en là. Responsable forum, là, Valérie Dutreil, Jacques, encourager tout le monde qui déjà participé ou bien qui déjà dans l'autre accord, quoi, comme Montana, accord à KPM, Ariel Henry, pour rejoindre dans l'idée pour mettre tout accord ça en discussion pour sortir à un seul véritable accord qui répond à la désiderata peuple haïtien. En côté, Valérie Dutreil, Jacques, dans le micro, Alix Gauthier. Forum haïtien pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale. Sur ensemble de constats que nous faisons par rapport à ce qu'a prolongé sur ces fiers. Nous faisons constat de l'assassinat du président Jovenel Moïse, et qui malheureusement, nous faisons constat de et décès du président Cour de cassation, malgré les contestés. Nous faisons ensemble de constats. Nous faisons constat que le Parlement est dysfonctionnel. Donc je dis à nous-mêmes en d'accord, là, nous proposer des pistes de solutions. Des pistes qui sont capables de permettre que pour nous retourner à l'ordre constitutionnel. Des pistes qui sont capables de permettre que pour nous poser problème et élection. C'est-à-dire que pour nous faire écrire et pour nous faire élection libre, honnête, crédible, inclusive. Donc à ce moment, on a un accord, c'est que nous demandons pour que la libération prisonniers politiques sans faire obstacle à la justice. Nous demandons un accord et pour que gain autonomie financière dans le ministère. Nous demandons un accord là et pour que la commission interministérielle pour adresser problème grand sud, problème ni problème grandance, moun qui était victime de séisme dévastateur là. Un accord là, nous demandons pour que pour et l'État capable de vivre, respecter fonction régalienne, c'est-à-dire mettre assistance sociale et pour population, pour moun qui pi pauvre. Ça veut dire qui ça? Parce que nous conscients que Josie a rentré l'école en bras le fait, mais il y a des parents jusqu'à présent qui pas arrivé pour un canet petit yo. Canet en direction toujours. Donc, bref, c'est que en accord là, c'est vraiment des pistes patriotiques. C'est des pistes qui sont capables de permettre que bon retour à l'ordre constitutionnel, bon retour à la stabilité et la paix sociale qui s'est. L'autre dossier dans le journal, il y a un responsable de la direction de protection civile qui fait qu'on est DPC fini avec la phase réponse urgence qui est pour la recherche et puis sauvetage. Qu'on est DPC dans la phase intermédiaire, ça a le relèvement à la reconstruction. D'après responsable DPC, Jerry Chandler qui dressait bilan catastrophe en tremblement de terre 14 dans la tempête Grace avec bilan action qui est posé. DPC enregistré à date à 2248 personnes qui mourent, 2763
blessés, 329 moun disparaît, 83 000 cailles endommagées, avec 53 000 lots détruits, gain environ une vingtaine convois qui sont dans Kouna qui a assisté victime yo, signe de quoi Jay Chandler qui précisait gain 70 000 familles qui recevoir assistance en logement temporaire, produits alimentaires et latrier, pendant que fait qu'on est priorité aussi relocaliser victime yo. Jay Chandler, t'énomme que Josué Belamou. Nous finissons avec la première phase de réponse d'urgence, qui est la phase recherche avec sauvetage, donc première réponse. Là. Et là, nous passons dans une période, ça n'est une période intermédiaire, une période entre deux actions. Action que nous avons fait, qui était la première action de secours, la prochaine action qui est l'action de relèvement et de reconstruction. Donc là, pour le moment, nous avons mis temps deux phases, dernier chiffre final, c'est que nous avons c'est malheureusement 2248 personnes qui mourent. Nous avons 12 763 personnes qui sont blessées, 329 personnes qui jusqu'à présent ont été disparues dans trois départements affectés. Yo, mais quand même, il faut nous signaler que dans le département nord-ouest, il y a deux personnes qui mourent, bassin bleu. Catastrophe, ça a impacté directement 690 000 personnes, ce qui représentait à peu près 40% de population grandance NIP avec Sud ensemble, 83 000 cailles endommagées et nous gagnons 53 000 cailles qui détruisent. Mais pile l'hôpital, centre santé, établissement d'école publique avec privé, nous gagnons pont, nous gagnons l'autre installation qui endommagée et qui prend frappe dans le cadre du tremblement de terre. Nous déployons volontaires nous dans tout justement différents départements. Nous avons des volontaires qui sortent dans l'autre département pour venir en forme et encore profiter pour nous capables de faire un gros coup de chapeau à tout le monde qui met des mains et qui fait un travail colossal de accompagnement de population dans un moment difficile là. Il faut nous dire tout que en pile dans nos partenaires qui sont des institutions étrangères locales mais aussi étrangères qui travaillent avec nous, tout est levé campé pour travailler ensemble avec nous pour déployer sous terrain. Avancé avec l'autre information dans le journal Mega Matégué, ministère haïtien qui a vive le bord de l'Oyo, qui signe jeudi 9 septembre 2021 un protocole cadre avec l'organisation haïtienne Diaspora Resources Worldwide. Intégration diaspora dans toute activité dans la vie nationale, la participation dans la vie politique paysan, droit pour voter, protéger droit tout ressortissant haïtien et la trier. C'est parmi points qui n'ont un protocole à consa, d'après ministre Judith Nazareth Auguste. Ministre a été profité occasion pour annoncer dans ce cap venu là, la Gébouli à Léochitaval avec communauté diaspora encore pour garder dans l'OCIATI accord pour permettre que diaspora lui-même capable de jouer une place li dans une société en deux pays. En côté ministre Judith Nazareth Auguste dans micro Radio Mega. La construction du réseau d'échange permanent pour les haïtiens de la diaspora. Il s'agit pour le ministère de stabiliser ses relations avec ses organisations et de leur donner la légitimité pour agir dans la diaspora. Chacune dans leur domaine, dans son domaine, pardon, d'intervention. La Fédération haïtienne de la diaspora a été la première à avoir signé un accord de coopération avec le MAV en août 2020. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir la Haitian Diaspora Resources Worldwide, avec qui nous allons signer un nouvel accord cadre de partenariat. Elle est représentée par Mme Maminago, présidente et cofondatrice de l'organisation, et Dr. Jessie Pierre, secrétaire général. Voici les grandes lignes de l'accord. Le MAV et la Haitian Diaspora Resources Worldwide conviennent d'étendre leurs contributions dans l'appui et l'accompagnement des organismes nationaux et internationaux dans l'accomplissement de leurs tâches relatives à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les sphères de la vie nationale. La promotion de la participation politique, incluant le droit de vote des Haïtiens de l'étranger et la double nationalité. Le renforcement de la protection et la défense des droits des ressortissants haïtiens et de leurs descendants. L'échange d'informations et de procédures permettant l'évolution des pratiques susceptibles de favoriser l'émergence de la diaspora haïtienne. Et voilà, ça c'est déclaration ministre haïtien qui a vive le bord de l'Oyo, qui c'est Judith Nazareth Auguste. Une cofondatrice organisation qui c'est, on a parlé des organisations, ça, qui c'est Haitian Diaspora Resources Worldwide, qui c'est Marina Gouga qui exprime satisfaction pour s'y attirer à Kosa entre Estritissa, qui a ministère, façon pour faire promotion pour intégration diaspora dans la vie politique paysan. Marina Gouga dit à Kosa après permettre diaspora intégrer plus toujours dans la question développement paysan. Pendant le premier
permettre pour continuer de travailler dans tête collègue avec le ministère haïtien qui a vivre le bord de l'eau. Il a rappelé qu'il y a 18 mois depuis qu'il a travaillé sous protocole ACO, ça vous dit bien, sous plateforme SILA. En côté, Marina Goug, qui est cofondatrice, organisation, qui c'est organisation haïtienne diaspora Ressources Worldwide, l'Itenamico Radio Mega. C'est un plaisir pour moi de procéder à la signature ce matin de cet accord cadre de partenariat entre le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, le MAV, et la Haïtian Diaspora Resources Worldwide, HDRWW. Donc, dans le cadre de cet accord, nous allons jouer notre rôle de citoyen, de citoyenne engagée pour le pays, pour l'intégration de la diaspora. Nous aurons à jouer un rôle, comme a dit le ministre, dans les termes de l'accord, d'intermédiaire pour faciliter la diaspora dans ce qu'ils ont à faire de mieux pour le pays, les projets de développement, leur intégration, les faciliter beaucoup de choses. Donc c'est dans cet ordre d'idée. Depuis 18 mois, nous travaillons sur cette plateforme. Nous avons des réseaux à travers les États-Unis, certains pays d'Europe. Et c'est innovant parce que le bureau principal de cette plateforme se trouve en Haïti. Donc là, nous avons différents comités, santé, éducation, agriculture, sport, culture, communication. Donc nous pourrons offrir différents services à la diaspora à travers ces différents comités. Donc je remercie.